Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Bienvenue. Merci. Quel est votre prénom ? C'est Nicolas. Nicolas, d'où venez-vous ? Du Var, à Montauban. Ah, la chance. Superbe. Oui. Vous êtes un fan de design, Nicolas. J'aime bien. Mon oncle aime encore mieux. Ah, alors c'est votre oncle qui vous a mandaté ? Oui, il m'a lancé un pari de venir dans cette émission. J'ai relevé le défi et il m'a dit, bah, comme tu es cap, avec l'argent que tu vas récolter, tu pourras l'investir parce que je vais ouvrir une entreprise dans le milieu des chevaux, des écuries de propriétaires. Ah, chouette. Dans les chevaux de course ou dans les chevaux attelés ou Dans les chevaux de sport. De sport. Oui. Bien, eh ben, on va essayer de vous aider comme on peut. Alors, c'est cool. Est-ce que vous connaissez le nom du designer ? C'est Mario Fangio. C'est marqué en dessous. Et c'est pour Lucie. On va demander à Damien, je crois qu'il connaît. Oui, le modèle, j'ai déjà vu, je l'ai même déjà eu. Mais effectivement, le nom du designer, je ne l'ai pas retenu. C'est en dessous, regarde. En dessous, c'est marqué, oui. Et donc ça, on peut les tourner, là ? Oui, et ça s'enlève. Pas le dessus, c'est ça ? J'arrive pas à les tourner, On les enlève ? Ah, le dessus aussi, c'est parce qu'ils sont un peu grippés. Les quatre dessus s'enlèvent, oui. D'accord. Non, j'ai vu qu'il y avait un numéro T443, c'est-à-dire que j'imagine c'est le modèle. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt de les tourner comme ça sur un bureau pour éclairer, que ça renvoie la lumière sur le mur. Et en même temps, tu sais quoi ? Tu mets un tableau et ça t'éclaire ton tableau. Ouais, c'est pas mal. Regarde comme c'est joli. Regarde, regarde, regarde. Au début, je vous cache pas, je me suis dit, c'est pas terrible comme système, mais le fait que ça pivote, je me suis dit, bon, ça va mieux. Regarde, je vois plus rien. Regarde, ça a éclairé Damien, finalement. C'est moi, mieux, j'adore c'est mieux ce qu'un genre tableau. Oui. C'est mieux qu'une toile de maître. Oui, absolument. Là. Tiens, d'ailleurs, je vais te mettre dans le cadre, là. Regarde. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est un design des années 80, Damien ? 70. 70, typique. Ouais. Typique. Très joli. Le linox, le chrome tubulaire, comme ça, c'est typique des Italiens. Ah, là, ça a de l'allure. Parce que même comme ça, oui, t'as raison, c'est joli. On parce que c'est très rythmé. Oui, parce que moi, ça m'éblouissait. Je me disais, t'es sur le bureau, t'as la lumière, tu peux pas bosser. Là, maintenant, oui, tu peux. Ouais, ouais. Et vous voyez, François, je pensais que c'était pas terrible au début. Je me suis dit, je vais passer mon tour, mais je vais enchérir. Alors, démarre les enchères. Et votre oncle, il a chiné, il a des familles. Il l'a trouvé en brocante. Il l'avait acheté avec un autre objet, il l'a eu dans un pack. Mm-hmm. Et il m'en a donné un. Sympa. Bah, c'est très chouette de sa part. Bon, alors, on commence à combien ? Allez, on à 50 euros. À 100 euros. À 100 ? Eh bien, 120. 150. 180. 200. 10. 20. 250. 280. 300, du coup. 20. 40. 350. 360. 380. 400. 420. Alors, bon. 420 euros chez moi. 450. François avait promis d'enchérir, et il le fait bien, puisqu'il contrarie les plans de nos deux grands amateurs de design, Damien et Caroline. Mais où s'arrêtera-t-il ? 500. 20. Aha. Bah, 550 alors. 60. Bravo. 560. Fais-toi une affaire conclue, jeune homme. C'est pas mal, 560. 570. Ouais, c'est bien aussi. 600. Bah voilà. Oh, comme bah ça, voilà. Ça tout seul. Hein, ils vont arrêter de se chamailler tous les deux. Mais chamaillez-vous, allez-y, hein. J'ai le temps, hein. 600, c'est un très bon prix. Alors, jeune homme, 600 euros. On peut commencer à faire un petit badoc. On peut commencer à avancer d'un mètre. Allez, venez, avancez. Allez-y, avancez. Dépêchez-vous avant qu'elle change d'avis. C'est bien, vous avez eu un peu plus. Merci. À on y va. Bravo. Bravo. On y va. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, Nicolas. Salut, jeune homme. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt, alors. Merci, au revoir.